Bonjour. Il y a quelques jours, nous avons parlé du métier de Google et des quatre étapes qui constituent son travail quotidien. Hein, Souvenez-vous, nous avons parlé du crawl et nous avons expliqué qu'après le crawl, il y avait l'indexation, le classement et, on va dire, le, la vérification de la pertinence. Alors pour certains webmasters, vous verrez, il n'y a que trois étapes, hein, crawl, indexation, classement. Moi je fais partie de ceux qui pensent qu'il y en a une quatrième, c'est un débat sur lequel on reviendra peut-être un peu plus tard. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser donc aux deux étapes qui suivent le crawl, l'indexation et le classement. Alors l'indexation consiste simplement, si l'on peut dire, pour Google, à classer la page qu'il vient de crawler dans une base de données. Déjà, faut, faut il faut qu'il repère que cette page est bien nouvelle et qu'elle n'est pas présente dans sa base de données. Sinon, il ne fait pas grand-chose. Enfin, il fait des choses, mais on en parlera lors de la quatrième étape. Imaginons qu'il tombe sur une page neuve. Récente, nouvelle. Donc, il va regarder si elle n'est pas dans la base de données. Elle n'est pas dans la base de données. Il va donc l'ajouter. Donc, qu'est-ce qu'il va mettre dans cette base de données ben, Il va mettre les caractéristiques de la page. Mais pour pouvoir mettre correctement les caractéristiques de la page, il va falloir que nous... Webmaster, nous aidions Google. On en a déjà parlé. C'est la bonne structuration de la page pour aider le moteur de recherche. Souvenez-vous, les balises title, les balises description, les balises H1, H2, H3, etc. Toutes ces infos vont permettre à Google d'indexer la page et de l'identifier en fonction de ses caractéristiques. Il y aura aussi probablement le poids de la page, sa date de publication, son URL évidemment, enfin tout un tas d'autres critères qui, comme je vous le rappelle encore, sont complètement inconnus de, de, du coma des mortels, vu que Google garde jalousement tout ça bien secret. Bref, cette indexation consiste donc à mettre une page dans une page de données. Fin de l'histoire. Deuxième étape. Il va... Une fois qu'il aura bien mis sa page dans la base de données, qu'il aura un petit peu identifié la sémantique, voire même beaucoup la sémantique de la base de données, il va faire un classement. Alors ce classement, il va le mettre en fonction des autres pages qui parlent de la même thématique. C'est-à-dire que dans sa base de données, il va classer ses pages probablement en fonction de leur thématique, et il va regarder euh, différents critères, euh, les, les mots clés utilisés, euh, peut-être les liens entrants, enfin tout un tas de critères qui vont lui permettre de classer cette nouvelle page par rapport aux anciennes pages. Et c'est ainsi que Google va décider que votre page va être à la dixième place, à la quarante-sixième place ou à la deux centième place. Simplement en comparant avec son état d'indexation. Dans les faits, c'est un peu différent. Mais ça, on va voir ça quand on parlera de la fameuse quatrième étape, c'est-à-dire le calcul de la pertinence et la modification éventuelle du, du classement d'une page. Bref, aujourd'hui, ce que je voudrais simplement que vous reteniez, c'est que Google fait donc trois choses importantes jusqu'à maintenant. Le crawl, l'indexation, il met la page et ses caractéristiques dans une base de données et il utilise ces données pour classer la page dans ses pages de résultats lorsqu'on tape un mot-clé. Voilà. Euh, je reviendrai sur le sujet probablement de nombreuses fois parce que c'est quand même un sujet un peu un, un, un peu compliqué. Euh, D'ici là, euh, je vous propose de regarder sur Internet euh, les différentes étapes pour en apprendre un peu plus. Et moi, je vous dis à demain pour de nouvelles aventures.